dans le cadre du Salon du Livre à Casablanca, en particulier pour la présentation d'un livre qui personnellement me bouleverse et qui est vraiment très attendu, qui est l'histoire des relations entre juifs et musulmans depuis les origines à nos jours et qui est publié par Albin Michel et auquel ont pris part plus de 120 historiens de différentes disciplines de sciences humaines pour expliquer que les relations entre les juifs et le monde musulman, les juifs dans les pays de l'islam, ça veut dire les citoyens juifs marocains, algériens, tunisiens, irakiens, yéménites, etc., font partie de l'identité de ces nations arabes, que c'est des juifs arabes, et qu'ils font partie de ce qu'on appelle l'identité plurielle de tous ces pays. Qu'ils ont été un peu occultés, oubliés, je disais amnésiés, ça veut dire qu'il y a eu une amnésie concernant leur présence sur cette terre, parce qu'ils en ont été arrachés, quelquefois parce que le mouvement sioniste est venu les chercher littéralement, comme pour les juifs berbères, pour les mettre dans des bateaux qui les ont amenés en Israël, et d'autres fois parce qu'ils ont eu peur d'être mal vus, parce que minoritaires dans des pays qui allaient vers l'indépendance et où la communauté juive n'avait pas le sentiment de sécurité. En tout cas, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a presque plus de juifs au Maroc, dans un pays où le judaïsme a été d'une richesse extraordinaire, est très important pour l'identité juive arabe et berbère, mais aussi pour l'identité marocaine en général. Et donc, je suis très heureuse de présenter ce livre parce que je pense qu'il va jouer un rôle historique dans la prise de conscience que nous avons, qu'on soit palestinien ou marocain ou libanais ou algérien, nous avons une identité très plurielle, très diversifiée, qui fait la richesse de notre identité. Le tort fait aux Palestiniens doit être restauré. Il faut que les Palestiniens disposent de leur pays, de leur indépendance, de leurs droits, mais qu'il ne faut pas considérer que chaque juif dans le monde représente M. Netanyahou ou le sionisme. Il y a deux niveaux. Il y a le niveau des citoyens et des citoyennes. Moi, je pense qu'au niveau des citoyens et des citoyennes, pas seulement dans le monde arabe, mais dans le monde entier, il y a une très grande solidarité avec le peuple palestinien. Il y a une empathie. Les gens qui connaissent la réalité qu'ont vécu les Palestiniens, qui ont été dépossédés de leur terre en 1948, sans avoir jamais rien fait à personne, hein, et surtout pas aux Juifs. Parce que la Shoah, le génocide, a eu lieu en Europe. Il n'a pas eu lieu en Palestine. Au contraire, en Palestine, les Juifs étaient des citoyens à part entière, comme les autres sous l'Empire ottoman. Il y a après les gouvernements. Les gouvernements du monde arabe, ils ont du mal à être efficaces dans tout ce qu'ils font, pas seulement par rapport à la Palestine, mais je dirais dans tous les aspects d'une politique commune qui se ressemblerait un peu à une politique européenne, mais qui serait pan-arabe. Et elle est en train d'être vraiment soumise à une autocritique. On veut même refaire la Ligue arabe, parce que c'est vrai que ça a été un échec jusqu'à maintenant. Ils sont ni arrivés à vraiment aider les Palestiniens, ni à s'aider eux-mêmes.